Congolais. Ma soeur togolaise, mon frère togolais. Je voudrais, à partir de cette vidéo, te féliciter pour la lutte que tu fais pour l'avènement de la liberté, pour l'avènement de la vraie démocratie dans notre pays. Je voudrais t'encourager encore une fois t'encourager et te dire que le découragement ne fait pas partie de ton agenda actuellement. Parce que cette lutte, nous la mènerons jusqu'au bout. Cette lutte ira jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances. Nous la mènerons jusqu'au bout. Et cette victoire sera de notre côté. Ce régime est un immense océan de crapules. Ce régime est un immense océan de voyous, de voleurs, d'arrivistes et de jouisseurs. La lutte ne sera pas facile. Mais nous la mènerons jusqu'au bout. Quelle que soit leur intimidation, nous irons au bout de cette lutte. Ça ne sera pas facile. Mais c'est maintenant. Que nous devons faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement qui nous tue depuis des années. Nous ne baisserons plus les bras. Nos vies et Togo vivent maintenant, mibé. Lutia. Mila voué, kaka. Et mila voué. Mila voué, lutia. Le dit doudoumé. Et maintenant, mibé, allez. Didoudoua gogo, mingbavon. Didoudoua gogo, mingbavon. Milawe, kaka la soy. Ibenou. Yemila doudichan. Et tu me dis sous miagbobe, semaine prochaine. Je vous exhorte à sortir massivement pour montrer au monde entier
que ça suffit. Que cela suffit. Que nous sommes fatigués de ce régime de gangsters. Et qu'ils doivent quitter le pouvoir. Le temps de l'acrobatie politique et de la comédie politique s'est terminé au Togo. Il faut que Faure le sache très bien. Il faut que ses collaborateurs le sachent aussi, que c'est fini. Nous ne verrons plus de négociations dans notre pays. Et j'aimerais vous dire, peuple togolais, à l'heure actuelle, nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus d'amis sur qui compter. Le temps de la caricature diplomatique, c'est fini. Je voudrais mettre en garde le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Chamba, qui déclare que la seule voie pour régler le problème du Togo, c'est d'aller au référendum. Hey, M. Chamba, j'aimerais vous dire, si vous n'avez rien à faire, restez à New York ou bien là où vous êtes là, restez là-bas. N'intervenez pas dans notre situation actuelle. Si vous voulez intervenir dans notre situation actuellement, c'est de demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Même s'il doit y avoir de négociations, il faut qu'au préalable, cette condition soit réglée. Avant toute négociation, si il devait y avoir de négociations, bien entendu, il faut que cette condition-là soit remplie. Et qui est quoi? Son départ effectif du pouvoir. Nous n'allons plus accepter aucune discussion avec un gouvernement dictatorial, un gouvernement de despotes qui applique le gangstérisme d'État dans notre pays. C'est des crapuleux, c'est des gens qui appliquent la haute voyoucratie dans notre pays. Nous sommes fatigués. Il faut qu'ils déguerpissent du pouvoir. J'aimerais également interpeller l'opposition. De ne pas tomber dans ces ruses. Quel que soit le rang qu'occupent ces émissaires, nous ne discuterons pas sans avoir les conditions sans connaître l'avis du départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Peuple togolais, ils quitteront. Ils vont partir. Mais nous ne devons pas baisser les bras.
Ne croyez pas que nous ne faisons rien ici. Oh, nous jouons notre rôle aussi. Nous ne dormons pas. La diaspora togolaise ne dort plus. Ils sont sous pression intense actuellement. Ils font comme rien n'était. Je vous assure, ce que nous faisons, ils sont sous pression. Ils vont partir. Mais cela adviendrait si vous vous mobilisez encore plus. C'est pourquoi je vous demande de sortir massivement la semaine prochaine. Sortez massivement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour que le monde entier voyez que vous êtes déterminés à en finir avec la dictature cinquantenaire de Gnassingbé. Nous avons connu Eyadema 1. Nous avons connu Eyadema 2. Nous ne connaîtrons plus Eyadema 3 dans notre pays. Ça suffit comme ça. Le temps de la diplomatie est terminé. Si quelqu'un doit venir jouer la diplomatie dans notre pays, c'est de demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Parce que c'est dans ce pays que nous avons vu 500 morts selon les enquêtes de l'ONU. Et nous ne voulons plus voir ça. Mais si cette crise se dégénère en crise libérienne que nous avons connue dans le passé, c'est que cette communauté internationale voudra bien que ça se passe. Et c'est le lieu ici de les interpeller. C'est le lieu ici de les interpeller, de prendre leur machine de prévention de crise pour que notre situation ne se dégénère pas. Pour que notre situation ne se dégénère pas. C'est quelqu'un qui viole depuis longtemps notre constitution. C'est un régime qui a toujours violé notre constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est la même manière, c'est de la même manière que son père l'avait fait en 2002. Lorsque la constitution lui interdisait de se représenter. Il a changé la constitution et s'est représenté en 2003. Ce qui veut dire que la rétroactivité de la loi lui a été appliquée dans le temps et son fils aujourd'hui refuse que la rétroactivité lui soit appliquée. Pourquoi ? Pourquoi la rétroactivité a été appliquée pour son père et lui refuse ? C'est pour se représenter qu'il avait changé la constitution en 2002. C'est en changeant cette constitution que la porte lui a été ouverte. Donc, l'application, bien entendu, de la rétroactivité de la loi. Alors, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Mais j'en ai vivé, mais j'en ai vécu. Mais s'ils prennent cette situation à la légère, s'ils prennent cette situation à la légère,
que les Togolais vont encore baisser les bras, cela ne se reproduira plus dans ce pays. C'est terminé. Ils peuvent utiliser des moyens financiers pour acheter des gens dans des organisations internationales. Mais ça ne veut pas durer. Ça ne durera pas. Aujourd'hui, notre diaspora est debout. Nous allons utiliser tous nos moyens diplomatiques par nos lobbies. Et nous le faisons d'ailleurs. Et ils partiront. Ils partiront. Ce n'est pas aujourd'hui que nous demandons la révision de cette constitution-là. C'est depuis 2006 que nous demandons ceci. Et ce monsieur a refusé de le faire. Et nous sommes décidés à le faire partir. Nous allons le faire partir de gré ou de force. Le temps de l'amusement est terminé. Nous avons affaire à un chef d'État dangereux, à un assassin qui tue sans vergogne, qui massacre une population depuis 2005. Et nous n'allons plus continuer sur cette voie-là. Aujourd'hui, nous faisons cela pacifiquement. Le peuple togolais est patient et la patience a des limites, bien entendu. Je viens d'apprendre de par un de ses proches collaborateurs qu'il disait qu'il ne quittera pas le pouvoir. Quel que soit ce que le peuple peut faire, il ne quittera pas. Il préférerait mourir. Voilà ce qu'il dit. Il pense que nous sommes ici, ne savons pas ce qu'il fait. On sait tout. Et ce ne sont pas tous ses proches collaborateurs qui sont avec lui. Ils ne font que jouer de la même comédie qu'il joue aussi. Nous sommes bien informés. Voilà ses propos. Ce monsieur n'a pitié à qui que ce soit. C'est dans ce pays que nous avons vu ces pratiques. C'est dans ce pays que nous avons vu ces pratiques notoires où il a fait emprisonner ceux qui avaient travaillé avec son père. Quelqu'un qui met en prison son petit frère. Quelqu'un qui met en prison ceux qui avaient travaillé avec son papa. Comme Agbome Kodjo, des gens qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays. Il les avait trimballés. Et les emprisonnés. Donc sachez très bien que ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est têtu, qui est prêt à tout. Mais nous n'accepterons pas et nous n'accepterons plus cela. C'est pourquoi je vous exhorte à sortir très massivement la semaine prochaine. Et j'aimerais dire à ce gouvernement que la patience a des limites. C'est dans ce pays que nous les avons vus changer cette constitution nuitamment. Et ils peuvent changer cette constitution s'ils voudraient bien le faire. Ils ne voudront pas le faire. Ils veulent faire couler le sang des innocents togolais.
Et cela, nous ne l'accepterons plus perpétuellement. Togouyoum le yomi. Be nke koko bana. Nyatou le boss soumet. Nyatou le boss soumet. Ni miano kafouma ou miano diga, miano kafouma ou ni viante mia djeklo. L'intokousou di, ni mia yom maou. Mia prez maou, mia worship maou. Mi dogbe, mia dogbe, mia no worship maou. Le ni soke minatoire, mi djeklo. Ni mia worship maou. Ni mia ponke la djok. Mino digane, miano kafoui. Le kekeko baname. Ne miakpo nou ke la djo. Nya ke ma bon la miyon. Sortez dans l'abondance. Et louez l'éternel des armées. Ne mi la temouwe. Si vous pouvez le faire, prosternez-vous. Les jours à venir. Dans la rue, et louer le Seigneur, demander son intervention. S'il faut des heures pour le louer, faites-le et vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Le Dieu que je connais, le Dieu d'Israël que je connais, le lion de la tribu de Juda que je connais, interviendra en notre faveur. Je demande au leader de l'opposition de le faire. Prosternez-vous. Agenouillez-vous. Et louez l'Éternel. Entonnez des chansons de louange. Et vous verrez la gloire de l'Éternel se manifester dans ce pays. Djiroudoua, go go. Mimbavon. Djiroudoua, go go. Mimbavon. Djiroudoua, go go. Mimbavon. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Que le Dieu des armées soit avec vous.